Est-ce que je vais pouvoir prendre 5 minutes pour bouquiner tranquillement ? Oh, qui est le con qui a foutu une clé entre les pages ? Comment devenir propriétaire ? Ça sent la lecture pompeuse. Néanmoins, je vais avoir besoin d'un toit si je m'éternise à Blancherive. De toutes les façons de devenir riche et puissant, créer votre empire immobilier... Déjà, j'adore les trois premières lignes. Nanana, nanana, d'accord, pour se faire du pognon, il faut dans un premier temps... Du pognon! C'est malin, ça. Blablabla, après il raconte sa vie. C'est d'un chiant. Je me taperai la suite plus tard. À force de rester assis près de la cascade, j'ai une de ces envies de pisser. Ah, ça y est, la marchande a réussi à se débarrasser du gros blaireau qui la grattait. Je vais aller saluer ma copine de banc. Ça va ? Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. Passionnant. Excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai cru que vous étiez en difficulté avec un de vos clients. Je n'ai pas voulu intervenir, mais ce n'est pas passé loin. La vie est déjà bien assez dure comme ça, avec tous ces hommes qui me font la cour. Cela dit, ce barde était vraiment le pire de tous. Je ne peux pas lui reprocher ses goûts. De près, elle est encore plus ravissante. Vous dites que ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive ? Vous n'avez pas idée. La moitié des hommes de Blancherive m'a déjà demandé en mariage. Certains n'étaient même pas célibataires. Ils ne comprendront jamais. Tous les bouquets de fleurs et tous les mots doux du monde n'y changeront rien. Tout ce qui compte pour moi en ce moment, c'est Mila, ma fille. Aucun homme ne se mettra entre moi et mon petit ange. Voilà une mère dévouée. Je ne comprends pas son raisonnement, mais après tout, chacun est libre de ses choix. Est-ce que je peux être d'une quelconque utilité ? Il y a ce barde, là, ce Michael, qui va finir par se retrouver avec une dague au travers de la gorge s'il continue à se comporter comme ça avec moi. Je l'ai entendu se vanter à la jument pavoisée. Il disait qu'il me conquérerait comme les vrais nordiques domptent les bêtes sauvages. Michael, c'est le barde qui m'a cassé les oreilles ce midi. Il a une approche particulière pour un troubadour. Je le pensais plus mielleux et délicat avec les dames. Je pourrais peut-être lui toucher deux mots. Essayez, si vous voulez. Cela dit, je ne suis pas sûre que vos propos arrivent jusqu'à son crâne creux. En tapant fort, ça va finir par rentrer. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai l'habitude. Laissez-moi une heure et il aura oublié jusqu'à votre existence. N'oubliez pas, fruits et légumes frais tous les jours. La plupart du temps. Et là, il dit au Khajiit... Va revoir un roménet. Ouais, je sais, j'imite vachement bien le canari. Excusez-moi, j'ai repéré mon barde préféré. Reste calme, Galen. Ce type est un beau parleur. Hausse un peu le ton et ce sera réglé.
Dommage, je lui aurais bien pété la gueule. J'aime votre robe. Vous avez appris l'art de la magie à l'académie ? Tu peux garder tes flatteries, Michael. Je ne suis pas venu pour rigoler. Carlotta voudrait que tu la lâches. Définitivement. C'est Carlotta qui vous envoie, n'est-ce pas ? Je suis désolé, mais cette veuve flamboyante est à moi. Elle ne le sait pas encore. C'est tout. Sérieusement, mon gars, tu ne sais pas t'y prendre avec ce genre de femme. Tu as dépassé la frontière entre confiance et arrogance. Arrête de la harceler. Cela vaudrait mieux pour toi. Qu'avez-vous dit ? Je n'ai entendu que l'expression de votre jalousie. Si tu savais comme j'ai prié pour que tu répondes à un truc comme ça. Tu sais que ça ne va pas être évident de chanter avec une dizaine de dents en moins, sans parler de draguer les femmes avec un pif de travers. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Allez, attrapez-le ! Allez, il n'est pas si costaud ! Reste à terre, ou je t'arrache la langue et la fais griller au bout d'une pique. Tiens, on dirait que tu commences à comprendre. Vous savez vous battre, je vous le concède. Non. Là, ce n'était que l'échauffement. On est d'accord pour Carlotta ? Vous avez gagné. Je jure sur mon honneur que Carlotta n'aura plus rien à craindre de moi. Jure sur ton honneur si ça te chante, mais par le mien, je jure que tu perdras bien plus que ta langue si tu approches encore la veuve Valentia. Une bonne chose de faite. Oh, j'ai failli oublier. Pour la femme de ménage, ce serait dommage d'abîmer un si beau parquet avec le sang d'un imbécile. Rien de tel qu'une bonne bagarre pour se remettre les idées en place. Ils sont mûrs, mes fruits. Ils sont frais, mes légumes. Directement cueillis des champs et des vergers de Blancherive. Michael vous présente ses plus plates excuses. Il ne vous ennuiera plus. Vraiment ? Vous avez convaincu ce joueur de lutte d'arrêter de me harceler ? Je remercierai bien les dieux, mais je vais plutôt vous remercier, vous. Tenez, voici quelques pièces pour votre aide. C'est plus que nécessaire. Je n'en ai pas après vos septimes, Carlotta. Je sais que les temps sont durs en période de guerre civile. Un simple repas suffirait à me remercier. Je doute d'être encore dans les petits papiers d'Ulda après ce qui vient de se passer avec Michael à la jument pavoisée. Or, les nuits sont fraîches à bord de ciel. Avoir un repas chaud dans l'estomac m'aidera sûrement à ne pas mourir de froid cette nuit. Sauf si ma requête vous met dans une situation inconfortable. Ça ne devrait pas poser de problème. Merci pour ce que vous avez fait. Vous êtes une personne formidable. Je vous dis donc à ce soir pour le dîner. Ça devient urgent. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Allons voir s'il est possible de pisser contre le vermine d'or sans se faire arrêter par la garde. Après des heures d'observation, il semblerait que le rendez-vous fixé par Frag la Grestoison ne soit pas un guet-apens. Il n'y a aucune activité autour de sa maison, mais je suis persuadé d'avoir aperçu quelqu'un à l'intérieur alors qu'Eorlun et elle se trouvaient à leur travail. Restons prudents. Merci, mais... Waouh ! Qu'est-ce que ça signifie ? Qui avez-vous fait entrer chez nous ? À Wulstein, reposez ça ! Il est ici pour nous aider à trouver Thorald. Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas un espion des guerriers nés ? C'était stupide. Nous ne pouvons nous fier à personne. Qui sait ce qu'ils feront s'ils me trouvent ici ? Je n'en peux plus. Pas d'armes, je vous en prie. Discutons simplement.
Très bien, mais... Alors vous êtes là pour m'aider. D'accord, donc en fait, on ne va pas se cogner sur la gueule tout de suite, c'est ça? Et si vous recommenciez depuis le début? Je pige que dalle. Mon frère, Thorald, il se battait pour les sombrages et il a disparu. Tout le monde part du principe qu'il est mort. Mais il est vivant, je le sais. Les impériaux l'ont capturé et ils le retiennent quelque part. Les guerriers nés savent à quel endroit. J'irai bien fouiller leur maison pour dénicher une preuve, mais ils en ont après moi également. Je serai capturé, et alors, nous ne saurions jamais ce qui lui est arrivé. Alors il faut que quelqu'un trouve cette preuve pour moi. Vous accusez les guerriers nés avec facilité. N'êtes-vous pas aveuglé par vos querelles ancestrales? Qu'est-ce qui fait d'eux les coupables désignés d'après vous? Les guerriers nés, les plus gros lèche-bottes de l'Empereur à Blancheive. Leurs relations avec l'Empire et la Légion sont de notoriété publique. Lorsque j'ai vu que Thorald n'était pas rentré, je ne me suis pas posé de questions. Ils savaient que Thorald soutenait les sombrages et qu'il allait aider ceux-ci au combat. Alors ils ont fait en sorte qu'ils ne reviennent jamais. Ils l'ont enfermé quelque part pour se venger de ma famille, j'en suis sûr. Je vois. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? Une lettre d'aveu? Un poil de cul de Thorald? N'importe quel élément qui confirme que Thorald n'est pas mort mais retenu prisonnier. Je sais que les guerriers nés en ont une. Bien sûr, ils doivent la cacher. Ils mentent depuis le début et ils ne voudraient pas que ça se sache. Si vous leur passiez assez de pommade, ils baisseraient peut-être leur garde. Passer la pommade, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Éventuellement une pommade empoisonnée. Et le poison, c'est plutôt une arme de gonzesse, non? Je préférerais que vous ne disiez à personne que vous m'avez vu ici. Motus et bouche cousue. C'est compris. Maintenant, allons négocier avec le père de famille. Je peux vous aider? Puis-je m'asseoir? Vous arborez une triste mine, Eorlun Gristoison. Ma pauvre Fralia pense que Thorald est encore en vie, mais je n'en crois rien. Vous n'avez donc plus aucun espoir? Non, je ne crois pas. Si je vous apportais la preuve que votre fils est encore en vie, me rendriez-vous un service à votre tour? M'autoriseriez-vous à utiliser la forge ciel à ma guise? Mon père était un grand forgeron. Son rêve était de me voir un jour rejoindre les compagnons et battre l'enclume de la forge légendaire. M'aiderez-vous à réaliser ce rêve? C'est entendu. Oui. Avant de passer voir Carlotta, je vais tâcher de m'entretenir avec Farengar à propos de cette histoire de gemme spirituelle. S'il y a moyen de se faire un peu de pognon en rendant service. Tiens, c'est Mila. Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore passées à table. J'ai du temps devant moi. Combien de missions débiles je vais encore devoir faire pour me remplir les poches? Et encore ces putains d'escaliers. L'épisode 8 des Chroniques du Dieu Loup est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. L'aventure est enrichie de musique ne faisant pas partie de l'OST de Skyrim, ça permet de diversifier les ambiances. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne louper aucun épisode et me faire savoir si cet épisode vous a plu ou non. A bientôt pour l'épisode 9.